Plaisir. Dans la merde. Là, c'est une boîte aux crottes. Non, mais genre, c'est Bishop qui l'a. Ah, bah super! Et salut Tradis! Comment vas-tu? En 225, c'est pour. D'avoir un coup de feu. Hein. Comment ça, tu vas faire une bêtise? Oui, c'est celle de Monsieur Winman, Hannibal. Il a toujours pas vendu. Mais qui croyait qu'elle allait être vite vendue? Alors, trouver l'âme sœur, on s'en fout. Mais c'est pas ce. Tu voulais déjà le faire? Tu m'avais dit comme quand tu le faisais? Donc c'est une idée réfléchie normalement. On m'en avait parlé. J'ai quoi sur moi? Ok. J'ai 250 poissons. Eh ben, si ça te plaît, tu peux le faire, fais-le. Ah. Ok. Super. Bon, allez. Yeah, j'irai voir après. On va prendre le séminal. Il faut que je fasse le plein, c'est vrai. J'ai pas fait le plein. Quand une blinde, c'est quoi? Tu vas avoir de zoom. Ça va. Okay. Allez, Jean-Pierre.
Il va falloir que je m'équipe d'un couteau aussi. Ah ouais, il fait un 24 encore. Il a fait quoi? C'est quoi son objectif pour faire un 24? Ah ouais. Sub ou follow? Est-ce que 3000 ça? Ouais, follow, ouais. 3000 ça, je lui tire mon chapeau. Ok, 3000 followers, il revient à la 24. Ok, bah cool. Cool pour lui que ça marche son petit système là. Et il le commence quand son 24? Merde, j'ai pas changé le titre, je crois. Ouais, mais celui d'hier, de toute façon, il va falloir que je la supprime. Il n'y a rien d'intéressant. Et j'avais mal fait la coupure aussi, surtout. Ça s'est enlevé. Hop. Ouais, après s'il fait bien son 24, tu vois, j'aurais pas commencé en soirée, tu vois. J'aurais plus commencé milieu d'après-midi, bah un peu comme là, vers 16h. Comme ça, il avait le temps de récupérer pour lundi. Ouais, je viens de voir ton covering là, ouais, c'est pas trop mal. Ça reste discret, c'est pas non plus. Je voyais ça un peu plus flashy. Eh ben, je viens de te répondre. Juste quand t'envoies la question, je te réponds, mon grand. Je sais combien, faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'un jour, je vais me faire gauler. Même si dans la loi je suis mort. Ah, ça fait un peu délavé, je trouve. Et ça fait un peu un verre délavé. Oui, non, mais je dis pas le contraire.
Là, ça reste une histoire de goût. Bon, là, faut que j'en fasse 50. Après, je vais aller à la mine pour faire des petits tours. Faire un peu de monnaie. Est-ce que j'ai perdu un peu de monnaie entre hier et aujourd'hui? Ah, j'ai pas regardé les jantes. Et les jantes ont l'air plus petites que celles d'origine, non? Ouais, non, mais on a l'impression que t'as plus de flancs de pneus. Sur l'origine, t'as l'impression d'avoir des tailles basses, en fait, au niveau pneus. Et sur la retouchée, bah, des tailles moyennes, quoi, des flancs de taille moyenne. Ouais, non, mais ok. Je te dirais pas quoi me font penser les jantes. Il va peut-être mal le prendre. C'est ça, ça va. Oui, non, mais je comprends. Attends, la couleur gratuite chez Ford, c'est rouge. Ouais. Yes. Ah bah oui. Minimum une journée. Ouais. Parce que là, la bande latérale va falloir qu'il aligne. Mais n'empêche, de faire un covering sur une voiture, il y a un avantage. C'est que la peinture en dessous restera neuve. T'auras beau avoir des coups de portière, des gravillons, des machins, chouette ou chose, ça restera neuf. Ah mais carrément. Et si je dis pas de conneries, les coups de portière se verront pas même sur le vinyle. D'après ce que j'ai entendu.
Ouais, c'est clair. Et de la faire comme ça directement quand elle sera neuve, t'auras pas trop de défauts de route sur la peinture. Elle sera pas salie par la route quoi. Donc c'est aussi un avantage. Ouais, puis c'est une galère. C'est une galère à nettoyer une peinture, c'est une galère. Ah, tu vas faire du barouf quoi. Tu vas faire du pan-pan-pan dans ton quartier. Après. Les copinés, d'accord, les copinés filetés. Ouais, tout dépend ce que tu fais comme route avec. C'est ça. Oula. Ah merde. Sexy quand tu nous gagnes. Ouais, surtout quand on veut taper trop vite. D'ailleurs, j'avais pas dit que la voiture je la mettais près de la falaise pour éviter qu'on me la shoote. Et qu'elle finisse dans la flotte. Là, bah, j'avais jamais fait gaffe, tu vois. Donc, ça doit être relativement léger pour toi. Si je peux, j'essaie de faire un live ce soir.
Oh, tu vas faire trop de choses. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Hein. Pour moi, ça fait trop. Seul truc que je fais sur les bagnoles, c'est je leur mets un filtre à air entre guillemets sport. C'est juste pour pouvoir éviter de d'en racheter à chaque vidéo. Comme ça, je le nettoie. Je nettoie, je le sécher, je le réinstalle. Réglé. Réglé. Je vois combien, 37. Non, ce que je prends des filtres à air d'origine, de taille d'origine. Donc, la plupart du temps, Cayenne n'ont pas les modèles que de mes voitures. Donc, c'est du green. Bon, sur la mienne, d'ailleurs, je l'ai toujours pas fait. Faire d'ailleurs les appeler des filtres réutilisables plutôt que des filtres air sport. Ah bah tu vois, sur quand j'avais la 206 encore, c'était du green que j'avais dessus. T'as du green et je l'ai nettoyé deux fois. Attention, je roule pas avec une bagnole. Il y a des jours, je me demande pourquoi j'en ai une. 40. Allez, on va à l'autre. Les 10 derniers. Oh tiens, ouverture du LSAS. Oh merde. Ah bah non, moi j'avais pas senti de différence, tu vois. Non, moi c'est plus le fait de devoir changer de filtre à air à chaque vidange. C'est pas... Je trouve pas ça magnifique, quoi, tu vois. Ouais, moi je suis plus sort de la petite ville. Petite ville ou même campagne. Là, je suis bien dans ma cambrousse bretonne, moi. Disons ma cambrousse bretonne. À 10 km de chez moi, j'ai quand même 200 000 habitants. Même. 200 ou 180, je sais plus. Ouais, mais tout dépend les routes et l'utilisation de ta voiture. C'est ça aussi. T'as quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Du on-off. Oui, item le bot. Le
le bot t'adore. Ouais, mais quand t'es derrière un con, tu dois rouler à 30 ou à 70. La pédale, elle peut pas faire on-off. Ou bien t'es secoué partout dans ta bagnole. Un conseil, ne sois jamais derrière moi à ce moment-là. Si t'as le pied lourd. Ouais, encore un après. Que j'ai un peu une conduite de vue. Ça fait un petit 204, mais t'es un malade. Un jour, tu vas te faire gauler à faire tes conneries. En même temps, je préférais que tu te fasses gauler plutôt que t'aies un accident. Tu vois un immeuble passer à fond, c'est drôle. Alors non, c'est pas l'immeuble qui passe à fond, c'est toi qui passes à fond à côté de l'immeuble. C'est pas pareil. Mais oui, rouler comme un timbré, j'ai déjà fait. C'est ce que c'est. Bon, pas aussi vite, mais parce que j'ai jamais eu des véhicules qui pouvaient le faire. Oui, j'ai déjà. J'ai déjà roulé comme un timbré sur certaines routes. Ah oui, ok. Pourquoi je la range? Je la reprends dans 30 secondes pour partir. Ya soyez débile. Ça devrait le faire. Attends, c'est quoi que j'ai à ça? Ah non. Tu l'as poussé plus haut sur l'autobahn. Tu as poussé à combien sur l'autobahn? De 40. Ouais. De 40 dans un 4x4, je serais pas à l'aise. Un bruit que le TGV quand il y a du vent ça rassure pas trop. Ouais, bah oui, m'étonne.
contre, c'est ma caisse, j'ai jamais poussé. Bon, j'ai jamais poussé si, je crois que je l'ai monté à 100... 150 ou 160, mais pas plus. Même la 206, hein, j'aurais pas poussé tant que ça, je crois. Oui, bah c'est pas la... C'est pas la même époque, quoi. Peux pas demander à une voiture des années 90 de faire aucun bruit à certaines vitesses comparé à une voiture de... 2010, 2015, même 2020. On est à 300 si je l'avais poussé à 190. 4780, je crois. Passer à 175. Oui, pas plus seul. C'est la boîte qui était mauvaise, cette facette. Le bout du pot, l'embout. Y a de la pub. Ouais. Ça arrive. C'est pareil sur certains... Certains streams, des fois j'ai pas de pub, d'autres fois j'ai de la pub. Quoi, une sur trois? Oh la vache, les enculés. Fort que je vois les... Si je peux pas le virer, ça. Fort que je regarde. Allez, re... Il va falloir que je regarde pour la pub, parce que c'est pas normal qu'il te mate une sur trois ou je sais pas quoi. C'est après qu'il te mate de la pub de temps en temps, bah c'est Twitch qui gère, hein, moi je peux rien faire là-dessus. Il est bien garé, lui, tiens. Bah, je regarde dans les paramètres pour la pub, là, c'est pas normal. Pas normal qu'il t'en mette. Eh, pour le pot de Tayaris, c'était juste un embout, un enjoliveur de pot que t'avais perdu. C'était pas le silencieux quand même. Je crois que j'ai jamais rien perdu sur la voiture. Ah si, sur la 306. J'avais pris un dedan un peu trop vite, la roue de secours s'était barrée. Je suis jamais allé la rechercher, la roue de secours, je sais pas ce qu'elle est devenue. Oh bah les pubs sur Twitch, hein, c'est intéressant. C'est un embout, mais il était gros. Ah ouais. Ah t'inquiète, il y a un camion qui est passé derrière. Il l'a aplati.
Bah, la roue de secours, si tu veux, je sais où elle a... où elle est tombée. Parce qu'il y a le panier qui frottait après derrière. Et j'ai mis 2 km avant de m'arrêter pour remonter le panier. Je savais très bien que c'était le panier de toute façon. Mais vu où c'était, vu le monde où il y avait, non, je suis jamais allé, je me suis jamais arrêté pour la récupérer. Je me suis dit, Joseph, il restera là-bas. Et à chaque fois que j'y repassais, il y avait tout le temps du monde. Donc. Hors de question que j'aille la récupérer. Au final, j'ai jamais eu besoin. Il était pas d'origine ton pot non plus sur la Yaris. C'est pas possible. T'as déjà eu des voitures d'origine? Un petit zigzag. Mais putain, mais il est con. Là, par contre, ça va pas le faire. Allez, Maurice, accélère. Pas que ça va foutre, moi. Ah, c'est pareil, j'ai tenté toutes mes voitures au niveau des vitres. Ah, sauf celle-là, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait. Il va falloir que je le fasse, que ça commence à m'énerver de pas les avoir. Ah bah super. Bon, on va se mettre au milieu, puis c'est tout. Bonjour monsieur. Ouais, salut. Comment allez-vous? Oh, ça va, et toi? Ça va, tranquille. Ça va nickel. Pas plus de 25% à l'avance, sinon PV. Ah, avant qu'il y a la loi. J'étais en 5% moi. J'avais 5% de lumière qui passait. Ouais, non, moi c'était 5% sur tous. Donc 95% par rapport à comment tu vis, hein. T'as fait filmer dans tes brouillards ouais, je sais pas si c'est. Ça t'enlève pas de la lumière un peu quand tu les mettais? Bonjour. Allez, salut! Salut. Salut.
Il y en a un, il a le micro sensible et assez fort. Ah oui, t'as fait que l'encadrage, t'as pas fait. T'as pas fait la vitre même de l'antibrouillard, quoi. Ça travaille en silence aujourd'hui. Ah, ici, t'as fait la vitre. Ah, t'as pas trop peur, ouais, bon, moi, après. Après, je t'avouerai, même avec du brouillard, je les mets pas, donc. Bah, sauf s'il y a besoin pour l'arrière, mais sinon je l'avais pas. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand même. Ouais, t'as l'impression comme ça que c'est un. C'est un truc plastique, quoi. Par contre, au niveau du stationnement, on en reparlera. Hein. En même temps, les places ont l'air petites. Elles ont pas l'air larges. Attends, je vais agrandir. Attends, peut-être pas dû teinter autant en fait. Tu vas mettre un entre deux. Je sais pas combien t'es là. Attends, t'es tout seul, les trois places sont réservées à ta boîte. Ah, t'es au boulot là? Bon, de toute façon, pour les anti-brouillards, je trouve qu'ils sont vaut déjà, donc. Et
Tu pourras dire à ton boulot que les vitres sont dégueulasses, faut les nettoyer. Bah, c'est pas un immeuble. Un immeuble, c'est quand t'as un poids lourd qui te dépasse. Et que t'es déjà 90. Et qui met pas 3 km à te dépasser. Non mais Hummer c'est hors catégorie. C'est encore autre chose ça. Putain. Ah, un poil moins foncé, ça aurait été bien. Par contre, tes jantes dessus sont sympas, j'aime bien. Oui, et puis c'est pas n'importe quel Hummer, c'est un Hummer pick-up en plus. Tranquille. C'est sûr que c'est pas un H2 pick-up ça? Oh, je sais pas, je me connais pas. En Hummer, je me connais pas forcément. Parce que les H1 sont plus carrés, je crois, si je dis pas de conneries. Ta Bambi. Bambito. Super. Bonjour messieurs. Et bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va, ça va. Bonjour.
Vous venez à la chasse? Non. Non, du tout. On vient faire un petit tour, on a vu que vous étiez là. Je vais voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis. Ouais, nickel. Pas Impeccable. venu, on n'est pas venu vous embêter. Oh bah je sais pas, moi je vous vois avec des mousquets dans le dos. Pour Oui, moi vous êtes bah. à la chasse. Ah non, 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 c'est au cas où justement il y aurait attaque de puma ou chose. Oh, un petit Là, on coup est de prêt à neuf c'est intervenir tout pareil. de suite. Ah, ça marche mieux au mousquet quand même. Ça marche mieux au mousquet quand même. Oh, un coup de pare-choc. Non, ça Ah. c'est pas légal. Ça, c'est pas légal par Ah, contre. si ça attaque, par contre, je vous garantis, j'hésiterai pas. Ah, mais Et bonjour. après, si Moi vous êtes en j'étais dans ma voiture et qu'il tête, donc attaque, bonjour. vous pouvez juste vous en aller. Ah oui, mais si je le vois en train d'attaquer quelqu'un et que je suis en Ah. véhicule, je vous garantis que je vais pas Ah bah après, m'arrêter pour sortir le neuf. en cas de légitime défense, si c'est pour sauver votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre, n'y a pas d'autre choix, effectivement. Bon, et sinon, personne qui est venu vous voir, vous embêter, il n'y a pas de souci. Non, Nous moi j'ai embêter, rien non, vu. nous voir, oui, mais comme d'hab, quoi, vous savez bien, je pense. Oui, non, mais bon, ils sont pas insistants, ils sont pas. Ah non, non, ils sont tous très cordiaux. Ok. Donc, Vous savez aucun un petit souci peu là-dessus. qui vient souvent? Bah, moi je les vois jamais, donc je peux pas vous dire. D'accord. Pas de Moi, chance. j'en ai vu d'un peu toutes les couleurs arriver, donc j'avoue que. Ouais, d'accord. Un peu généralisé, quoi. Ouais. Ok. On va dire, tant qu'ils ne nous insistent pas et tout, je préfère pas donner de nom. Par Ouais, bah après, sécurité. tant qu'il. C'est sûr, tant que. Non, honnêtement, jamais eu de soucis, donc je Ok. préfère pas en avoir, quoi. Ça marche. Parfait. Parce que vous savez D'accord. très bien qu'ils viennent et que Oui. ça, c'est pas une information Non, mais c'est qui plus pour être s'arrête sûr qu'ils entre viennent, vous. ça ne vienne pas non plus vous importuner de trop. Mais bon, que si ça reste cordial qu'ils viennent, que vous dites non, qu'ils s'en vont, bon, ben bah, voilà quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Très bien. Ok, Très bien, très parfait. bien. Bah, on va vous laisser continuer à travailler tranquillement, alors. Yes, Merci bah, bien. bon Et bonne courage à vous journée à également. vous. Bon Bonne courage journée et à passez une vous. bonne journée. Merci, bonne Au journée également, revoir. au revoir. Mais c'est pas beau. C'est pas beau ces motos-là. Elles sont trop stylées les armes qu'elles avaient dans le dos là. Voilà, on appelle ça des mousquets. C'est précis, ça tire loin, mais ça va pas de. Ouais, c'est du un coup quoi. Ouais, voilà. Et les balles sont pas forcément très efficaces, quoi. Voilà. De toute façon, une balle bien passée, ça fait l'affaire, hein. Ah oui. Une bonne route sport R là. Y a rien de mieux. Okay. Hop, va te faire un petit cadeau. Merde. Cadeau, moi j'en aurais pas besoin. C'est gentil, Ah bah, merci. eh. Bah plutôt On que a de le déjà détruire, donné. Hein. autant qu'il serve, tu vois. Ah oui, tu C'est sais, mais ça. quand je suis parti là avec mon camion, il y en a déjà qui m'a dit, ah, j'ai un de fer en plus, tu le veux? Je dis, bon, ça me fera un de fer de moins à récupérer, donc là, ça Et bah fait là, deux. ça en fera deux. Et ça Nickel, fait une impeccable. barre d'acier en moins. C'est parfait. C'est ça. Allez, je te laisse. À plus tard. Nickel. Allez, à plus tard. Neuf cent trente mille bornes. Ah, c'est dommage que tu me connaissais pas avant.
J'ai revendu une Daily Emerald Sport R qui monte à 145-150. Là, t'aurais pu te faire plaisir. Et elle avait 12 000 bornes. Bon, on double de ce que t'as payé celle-là, mais... T'étais tranquille, quoi. 120, ouais, mais c'est pas... C'est pas énorme, 120. Déjà, 150, j'arrive à me faire chier. Hein. À 150, j'avais une main sur le guidon, principalement l'accélérateur. Et l'autre main posée sur le réservoir. Donc le coude posé sur le réservoir. Puis je traçais ma route. Allez, moi aussi c'était une 125. Regarde, Daily Emerald Sport R 125 2009. T'as envie d'être couché, c'est faisable. T'as envie d'être droit, c'est faisable. Ah oui, non, moi c'était une injection. Bah, carbu, t'as moyen de faire. Pas monter la puissance, hein, je te le dis. C'est comme les 4L, ça. Ça grimpe. Ah, mais t'as plein d'astuces hein, pour faire gagner les 125 en puissance. En puissance et même en vitesse de pointe. Hop, je savais que j'allais le bouffer. Ah bah eh. Assassin, grave. Il est au courant qu'il aurait pu se mettre à côté. Mais bon. Salut. Oui, salut. T'as pas besoin de percer le carbone. Bonjour. Salut. Ah bah bonjour. Il y en a du monde finalement. Amortisseur arrière.
Là, c'est sur beaucoup de bécanes, non? Oui, bah oui. Frein à tambour, le pneu arrière est fin. C'est pas... Oh bon, moi aussi j'avais pas d'ABS. Hein. De toute façon, j'en veux pas de cette merde-là. Sur une moto, j'en veux pas. C'est un coup à te surprendre quand ça quand ça se met en route et tu divagues. Si je reprends une un jour, je voudrais bien une Aprilia RS de temps. Celle qu'ils ont fait en... Entre 2008 et 2011, je crois. Oh, super de la pub. Génial. Ils sont bien Twitch. Ils sont au top. Je me disais quoi? Ouais, si je me retrouve, si un jour je me reprends une bécane, c'est C'est une Aprilia RS 125 des années 2010, en deux temps. Les dernières en deux temps. Parce que les quatre temps, non merci. Ou sert à rien. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais aller le mettre, c'est pas grave. Ah, mais j'ai plus de feu là. Tout pété. Attends, patte. Merde. Oh. Ah oui, bah oui. Non, sur une moto tu perds pas tant que ça. Sur une petite cylindrée tu perds pas tant que ça en chevaux. T'es peut-être à 9 ou 10, pas moins. Et si elle est bien entretenue, t'as pas de raison d'avoir perdu autant. Les petites cylindrées, c'est petite puissance, hein, tu perds pas grand chose. Hein. Parce que moi, la mienne, quand je l'ai achetée, elle faisait. Elle était donnée pour 15 chevaux.
Mais elle les faisait pas, donc je l'avais fait passer au banc. Elle avait affiché 13 chevaux 8, je crois. La sortie de la roue. Et une fois qu'elle avait fait 5 000 km, elle en avait 16. Oh bah voilà, moi j'ai fini. Bonne vente. Ah bah oui, si c'est gras, oui, ça peut être que de l'huile. J'ai pas eu le temps de faire un passage au banc avant qu'elle avant de la revendre, mais elle devait être toujours vers les 15-16. Pourtant elle est déjà finie. Bonjour. Pourtant elle en a Heureux. bouffé du. Comment ça se fait que j'en ai 94? J'ai pas pris ou quoi? Ah. Vas-y, rentre. Je galérais avec la poignée. T'as besoin d'un truc? J'en ai un rad. J'ai Si ça vous dérange pas, je dis pas non. Ouais, bien. Toc. Pas beaucoup, pas? Non mais juste pour... Après, il faut que j'aille vendre, donc je pense juste un burger ou un truc comme ça suffit. Un burger, ouais, pas de soucis. 125. Et si jamais tu me redemandes là-bas, il m'en reste 5. Hein. Ouais, ça marche. J'ai rebloqué 4 après. Ouais, pareil, au cas où sur la vente j'ai un petit stock encore sur moi. On reste quoi? 5 catfish 500. et 7 black zéro. Oh, tu dois pas en avoir pour plus de 500 quoi. Peut-être juste un joint, hein. C'est pas grand-chose hein, généralement. Généralement, c'est les joints de haut moteur qui lâchent. En même temps, sur une 125, c'est pas dur de faire un bruit de longueur. C'est du monocylindre, généralement. Après, t'as juste à faire un bicylindre. C'est quoi? Là, c'est un seul cylindre, un monocylindre. Refroidissement air plus huile. Pas certainement.
Je serais curieux d'y connaître le prix aussi. C'est parti. Au pire, si t'as pas de kick, tu mets la 2 et puis t'envoies. Mais la 2, tu pousses, tu débrailles et puis c'est réglé. Ce que je faisais quand j'avais plus de batterie. Moi. Ça marche très bien et ça abîme pas le moteur. Ni la boîte, ni l'embrayage. Ouais bah par contre j'irai voir après le stream. M'excusera mais je vais pas regarder ça pendant. Non bah ce qui m'embête c'est que tu peux plus rien faire sur les. Sur les motos, tu peux plus changer le pot. Est-ce que ça passe? Yes, nickel. Donc 126. La route sport R ne fait pas 125 non plus. Hein. On m'a souvent confondu avec une 600. Salut les gars. Et salut, comment vas-tu? Ah ça va, j'ai la haine là. Ah, j'ai encore pourquoi loupé l'examen de droit. Ah merde. Tu m'as déjà dit. Encore 9 sur 10. Ouais. Ça commence à faire cher. Ah bah oui, est-ce que c'est quoi? C'est 2005 à chaque fois? C'est 5000 à chaque fois. Ouh la vache. Et t'es à combien de tentatives là? Là c'est déjà ma deuxième. Ah ouais. Mais alors toujours pas le diplôme? Ah ouais, je comprends pas où j'ai fait. Merde. Putain, une seule mauvaise réponse quoi. Ah. Il y a une question, elle est piégeuse et il y en a une autre en fait, je la comprends pas. Ça me fait chier. Ouais, le truc des véhicules du service public là. Il y a tous des véhicules là. Et il y a. Il y a le truc aussi, la question elle dit la peine de prison préventive qui peut être appliquée sans procureur. Et on me demande, ça équivaut à la moitié de la peine, le double de la peine, 100 balles et un mars, et un aller simple pour la case prison sans passer par la case départ. Ouais, d'accord. Puis avec, c'est pas comme moitié, si les lois changeaient toutes les deux minutes en plus. Moi je réponds à la moitié et. C'est marqué nulle part dans la loi en fait, mais ça peut pas être le double et les deux autres réponses elles sont aberrantes, je comprends pas. Bon, c'est sur autre chose que tu dois te tromper hein, je pense. Bah en fait là j'ai commencé à retenir toutes les questions, je suis sorti de l'examen, je les ai toutes marquées. Et j'ai beau vérifier que le texte à côté et je trouve pas.
Ah, j'ai contacté quelqu'un au SAS pour poser des questions, voir s'il peut pas m'aiguiller. Moi, je pense que c'est le mieux à faire parce que c'est en plus si les textes de loi ont changé et que le diplôme il a pas été mis à jour, bah, comme celui que j'avais passé pour les taxis, t'as des questions qui sont complètement obsolètes là. Bah ouais, mais du coup moi je paye pour rien quoi. Bah oui. Ça commence à faire beaucoup. Là je suis à 10 000 balles, c'est bon quoi. Ouais, surtout que c'est le plus cher en plus celui-là. Ouais, c'est ça. C'est le plus cher, il y a beaucoup de pages à lire. Je les ai lus tous 5-6 fois. Enfin. Bah, ça va faire 10 ans que j'ai pas fait de moto, moi, 3-10. Je te dis pas comment ça manque. Je ne comprends pas trop là où je me trompe et il me faudrait de l'aide, je pense. 10 ans, même plus. Là, j'ai envoyé un message à quelqu'un, mais. Il doit être en vacances. Je sais plus exactement combien de temps ça fait que j'ai pas fait de moto, mais ouais. Une belle paire d'années maintenant. Ah, pardon. De toute façon, il va falloir que je revienne. Je sais même plus, je me souviens plus parce que c'était pas écrit, je crois, dans le règlement, mais c'est 150 courses à la semaine. Et tu mets combien de temps pour faire une course à peu près? Des courses, tu peux en faire facilement, surtout le matin quand il y a pas mal de monde en ville. C'est ouais, allez, entre 15 et 20. Sinon, c'est entre 10 et 15, la moyenne. Une minute à l'heure. Ah, à l'heure, ok, ouais. Bah, ouais, ouais. Je comprenais pas entre 15 et 20, ouais. 10 minutes, 15-20 courses. Voilà, okay, surtout d'accord. Que t'as des clients chiants qui peuvent te dire « Ouais, bah, 3-4 kilomètres. » Quand on dit « Ouais, bah, tiens, moi, je vais aller ici. Ah, mais c'est une zone de gang. Super. » Ah, mais tu fais comment dans ce cas? Ouais, ils ont des trucs spécifiques là-dessus. Ok. Que tu peux avoir ouais, soit des appels d'entreprise ou sinon c'est des clients au beeper. Ah oui, mais je parlais, les civils, ils vont jamais dans les zones de garde comme ça. Si, il y en a qui ont envie. Ah, d'accord. Bon, la plupart des cas, c'est on le dégage du taxi. Ah, tu peux les dégager? Ouais. Ok. Ah bah j'imagine. Un peu compliqué pour aller dans une zone de gang. Ouais. Surtout qu'il y en a encore, ça va. Ils t'autorisent à déposer certains clients. Ah, si tu restes à l'entrée du truc, que tu les préviens avant. Par contre, il y a des zones qui étaient interdites quand j'y étais. Ok. Bon, on va voir s'il me rappelle. Oh, normalement, ça devrait le faire. Ils ont toujours un peu de place. Mais s'il n'y en a pas, ça se libère. Hein. Ça se libère la semaine d'après. Ok. Enfin, je crois que le patron n'est pas là actuellement et qu'il n'y a pas le responsable. Je sais pas quoi. Du coup, je sais pas s'ils peuvent engager. Ah. J'ai pas tout compris. Ouais, faut voir parce que t'as le gérant, t'as le responsable et t'as trois chefs d'équipe. Enfin, si ça a pas changé depuis que je suis parti. Ouais, je sais pas si les chefs d'équipe ils s'occupent des formations mais pas des recrutements, je crois. Ok. Il faut juste le permis voiture, c'est tout. Ouais, c'est juste permis voiture. Et quand t'auras ton CDI, il faudra le diplôme de chauffeur. Et ça consiste en quoi? Le diplôme de chauffeur, c'est juste un diplôme comme les autres. T'as 10 questions, en plus elles sont complètement bateau pour celles du taxi. Et en plus t'as ceux de l'entreprise qui te filent les réponses. Ok, ouais, d'accord. C'est encore plus simple.
Et t'as réussi à voir quelqu'un au LSS? Non, ils sont fermés. Mais j'ai un numéro de quelqu'un en particulier, donc bah dès qu'elle sera revenue de vacances, elle me dira. Madame Carter? Non. Cette madame-là, je ne l'ai pas. Je pense qu'il n'y a que le Boulinge qui peut avoir son numéro. Il y a qui peut l'avoir? Bah le Boulinge quoi, ceux qui sont bien habillés et... Ouais. Bah c'est important. Je sais pas. Yes, ça marchera, dis ça plus tard, des bisous. À mon niveau Snake est horrifiant. Je suis nul. Au moins t'as le mérite d'essayer. Hein. C'est quoi ton record? 47. Ah, c'est déjà 35. Bien. Ouais. Après j'ai pas fait beaucoup d'essais. Y a jamais personne qui travaille au LSAS quoi. Ouais, c'est des horaires spécifiques là-bas. C'est un truc de dingue. J'avoue, pour avoir quelqu'un, c'est compliqué. Au LSAS? Ouais. Non, moi j'ai été. Quand t'es ouvert, tu vas sonner et puis. Je sais pas, ah oui, quand c'est ouvert, mais sachant que c'est pas souvent ouvert. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de conduire, je vois LSAS ouvert. Oui. Deux secondes après, fermé. Oui. Il a fermé 2 secondes après. Je me suis dit, waouh. Ah bah, t'as intérêt à être rapide hein, pour y aller, je te le dis. Hein. Ouais, je vais à l'avant tout à l'heure, les gars. Yes, à tous. J'en ai fait que 213, 313. Pas énorme. Oh, j'ai cru que je me faisais le poteau.
peut-être me guérir mieux que ça, moi, c'est pas moi. Quelqu'un qui va pas tarder là, non? Ouais, ils vont être trois à arriver dans pas de temps, je pense. Je vais leur faire de la place. Et merci pour le follower de Québec, bienvenue. Il faut que je remette une alerte d'ailleurs, une alerte sonore. Parce que même l'alerte visuelle, je sais pas à quoi il ressemble. Je sais plus ce que c'est. Oui, t'avais perdu ton camion près de la bretelle là en sortant d'ici, ouais. Ouais, comme ton camion avait plus d'essence, j'avais récupéré ta marchandise. Ah, t'as été dans le coma! Directement. Parce que j'avais récupéré ta marchandise, j'avais essayé de te retrouver. Et je t'avais pas vu. Et bah au final j'ai revendu ta marchandise quoi. Parce que je pouvais pas ranger mon camion. Si mon camion était pas vide, je pouvais pas le ranger. Donc j'avais été obligé de la vendre. Bah j'allais pas laisser ta marchandise se perdre. J'espérais vraiment te retrouver, mais bon. Chose qui n'a pas pu être faite. Parce que pour moi en fait t'avais eu un mal de tête et puis le camion avait fini dans le terre-plein.
Et je pensais que tu serais à recours sur. Soit sur la route, soit sur la. Soit la transfo direct. Mais te voyant pas, bon bah je. J'ai été obligé de vendre ta marchandise. C'est vrai, on peut pas. Oh, il va falloir que je récupère d'ailleurs. Voilà. Oui, bah oui. Parce qu'il va falloir qu'il t'enlève tes ITT, tu vas rien pouvoir faire là. Tu vas pas pouvoir conduire, tu peux pas courir, tu peux pas tenir d'armes. Oh. C'est moi ou ça a fait boum? Ouais, j'ai l'impression que ça a fait boum. Hein. Mais où? Bah, c'est une bonne question. C'est bizarre quand même. T'es flippé un peu. Hein. Bah, c'est pas vraiment que ça fait flipper, c'est plus où, quoi. Plus ça le problème. Bon, allez. Yes. À la prochaine. Yes. Ok, ça marche Arnaud, à plus tard, des bisous. T'as entendu les booms quand t'es arrivé? Ouais, ouais, je me demandais ce que c'était. Ouais, bah ouais. Et surtout qu'il n'y en a pas eu qu'un. Bah il y en a eu trois de suite, donc ouais. Pourtant on est quand même assez éloigné de la raffinerie là. C'est pas qu'on l'aurait entendu d'ici. Ah bah justement, est-ce qu'il y a... Ah si, ça peut être possible. Ouais. Bon déjà, c'est pas une station aux alentours. Il n'y a aucune grise. Ah mais les stations, ça fait loin là, les stations. Pourquoi? T'as plus d'essence? Non, on a entendu boum boum boum. C'est pour ça. Oh, c'est... Des deltaplanes et tout, des... Pas des deltaplanes, des... JLM. Non, les... Oui, les... des dirigeables. Ah, il y en a ici? Ouais, il y en a un peu partout, je crois qu'ils tombent de temps en temps. Putain, je les ai jamais vus. Ils sont dans la ville, normalement. Mais là, t'as quand même eu trois explosions à suivre, quoi. Oula, oula. Ouf. Alors, attention ta tête. C'était limite. Désolé. Attention ta tête parce que t'es pas prêt. Hein. Je te le garantis. Là. Il y avait de la tension. On tape, je fais pas que taper. Hein. Ah. Ah ouais. Ouais bon, ça arrive de temps en temps, un petit spasme. Non, je t'en aurais pas voulu, t'inquiète. Je ne mets pas des coups de taser gratuits. Tant mieux. Ça reste mieux que Benis qui met des fois des coups de clé à molette gratos. Ouais, ils sont aussi tendus des fois. Ouais, je m'en souviens. Petit trauma crânien là. Ça va ? Petit trauma crânien qui faisait du bien. Ah, super. C'est pour s'assurer que t'es bien réveillé. Ah oui, voilà, j'ai plutôt dormi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il a plutôt été endormi. Ah, oh, c'est une petite sieste. Voilà, mon coffret vide, je vais enfin pouvoir me mettre avec vous et arrêter de me cacher. Je
Après, qu'est-ce qu'il y a autour? Je suis dans ma tête 2 minutes. Yes. Ils ont ouvert cet après-midi le Weasel News ou quoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh là, ils sont fermés là. Ouais, y a pas eu beaucoup de news. Alors, des pubs automatiques là qu'ils ont depuis. Ouais, c'est bizarre qu'ils soient fermés toute la journée quand même. Ouais. Non, c'est long la vente. Ouais. Quand on voit le temps qu'on met à vendre pour le prix qu'on gagne. Oui, c'est pas le meilleur plan de carrière la Syrie. Non. Bon, ça va, j'arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Mais bon. Le seul truc positif qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas sous la pression des quotas. Oh ouais. C'est du vrai bonheur, ça. Mmh. Tu dois faire tant par semaine, hein. Tu me fais chier. Ok. Mmh. Ouais, quotas au même ratio. Autant j'aimais bien être au taxi. Les quotas, ils étaient pas trop élevés. Il y avait juste un truc de ratio. On devait maintenir un minimum de 9 courses à l'heure. Donc tu prenais un petit peu de temps libre. Tu disais, ah merde, ça descend. Je vais avoir un malus sur ma prime. Ah. De toute façon, partout, t'as un ratio. Oui. T'as un ratio à maintenir, c'est chiant ça. Pour ça, au moins ici, on est bien. Tu vas aller te promener, tu te promènes.
Ouais, bah moi c'est ce que je me suis fait. Je me suis dit, prends un petit peu de repos. J'ai vendu de mes bagnoles. Comme ça, je suis bien pendant un petit moment. Ouais. Bon, moi, je vais savoir, savoir ce que je vais faire après. Il y a certaines entreprises, j'ai pas envie d'y aller. Ah, pas question. Oh, fini. Youpi. Allez, bon courage, messieurs. À plus tard. Allez, bon courage. Oh, ouais, fini. Un peu de feu à l'avant. On va couper les feriers aussi. Et bonjour monsieur Gilgo, comment il va? Comment il va monsieur Gilgo? Je sais que t'es dans le chat. J'ai regardé pendant la vente qu'il y avait. Est-ce que je leur fais une tournée ou je vais me promener? Déjà, je vais essayer de passer un appel qui me démange depuis quelques jours, des nouvelles. Madame n'est pas là. Super. Vous êtes malade, monsieur, aussi? Pardon? Non? Ok. Est-ce que vous avez des dépanneuses qui sont affiliées bonjour à vos services? Le Ross, tu parles fort. Des dépanneuses? Eh ben, je crois qu'il en reste un à venir. Alors, des dépanneuses affiliées à notre service. Parce que du coup, j'ai une question sur les, comment dire, les véhicules affiliés au service public. Et oui, il y a des dépanneuses LSPD où j'ai le choix aussi entre le véhicule du commissaire. Ah oui, forcément, ça aide pas. Moi, je réponds le véhicule personnel du commissaire. Moi, je pense pas que ce soit un service public. Alors, non, c'est pas un service public. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a des dépanneuses. Ça existe, des dépanneuses affiliées à l'SPD. Ah, bah, vous avez les dépanneuses du Bénis et du. Si. Bonne journée. Bonne journée. Donc, il y a pas de dépanneuse avec le logo LSPD dessus. Bah, je sais pas ce qu'il fout. Ou alors, c'est que je suis pas au courant. J'ai rien, mais vu. Je vais l'appeler. Vous pourriez de demander. Ah bah, si ligne occupée, il doit y avoir un coup de temps, il va peut-être pas venir. Personne, je sais pas. De suffisamment. Vous pourrez renseigner. Les plus anciens ne sont pas là cet après-midi. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ah bah, il faut pas l'atteindre, il a dit, il a eu ceci avec le camion. Reçu. Tiens, d'ailleurs, merci beaucoup et puis prenez soin de vous. Ah, merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Vous connaissez la peine de visiter l'idée d'avoir des rougeurs. Alors attendez. Dites-moi. La prison. Mais du coup, la commode est ouverte et vous pouvez vous servir si vous avez besoin. Ah, c'est très gentil de votre part. Ah, merci, c'est gentil. Alors là. On va juste positionner là-bas et vous avez juste à nous servir. Pas la mise en cellule. D'accord, c'est gentil. C'est gentil à vous.
C'est pas la mise en cellule, la prison préventive. La prison, la peine de prison préventive, c'est une mise, ça peut être une mise en fédérale. Parce que pour moi, une mise en prison fédérale, c'est pas préventif, c'est punitif. Alors ça peut être préventif, mais de tête, ça ne doit pas excéder la moitié des peines maximales encourues. D'accord, parce que c'est ce que j'ai répondu. Et c'est les deux questions où j'ai des doutes, mais tout le reste, j'ai bon. Et à chaque fois, j'ai 9 sur 10, je ne comprends pas. Donc il y a une erreur que je dois faire. Mauvaise interprétation des textes, peut-être. Ou c'est peut-être les questions que vous pensez avoir bon qui, au final, vous n'avez pas bon parce que vous avez mal interprété, peut-être. Ah parce que j'ai mon texte de loi sur mon téléphone, voilà, j'ai tout flioté. Les réponses sont exactement écrites mot près, donc du coup, je suis d'accord. Sûr. Et malgré cela, vous... Oui, oui, je pense que je vais prendre rendez-vous avec quelqu'un du LSAS pour demander ouais. Si ce qu'on enseigne à l'université est toujours valable. Et si je peux me permettre, la formation des policiers ne requiert pas de connaître le droit à 100%, alors que le LSAS, ils ont plus une formation justement juridique, et, etc. Donc c'est peut-être plus vers eux que vous devriez vous... Je sais bien, mais comment dire, disons que le LSAS il ouvre de 15h02 à 15h03 et j'ai dû manquer la fenêtre. Des fois 15h05. Ah, ouais, tout à l'heure c'était. Ils ont ouvert une heure en retard. Si je peux me permettre, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Oui, j'ai envoyé déjà deux. Mais SMS, même quand on leur envoie un message, ils répondent pas. Je vais vous placer, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. D'accord. Appeler le gouverneur, il adore qu'on l'appelle pour les questions. Le monsieur Catardo. Ça c'est le vice, mais... Bah y'a que lui que j'ai son numéro. Monsieur Arkel, nickel. Monsieur Arkel. Ou sinon, vous voyez avec un procureur aussi. Je vous remercie en tout cas pour vos éclaircissements. Bah y'a pas de soucis. Ils ont éclairé ta lanterne? Bah non. Mais en fait, ils sont du même avis que moi. Donc, on va peut-être y aller, nous, hein, vu qu'on... Mais non, vous aimez bien. Je vous remercie pour votre aide, mais le souci, c'est non, mais, que bah, je pense que c'est vous. Nous qui l'avons éclairé, c'est le lampadaire au-dessus. Oh ouais. Putain. Bah, ouais. C'est bon, ouais. Pas dans l'humour. Ouais. Bon, sinon, tout se passe bien pour vous. Bon, oui. Pourquoi ça se passerait mal? Bah, avec les camions, c'est pas forcément simple. Oh, ça c'est un problème. Bah, ça se manipule, yeah. Je veux dire. Ça se manipule. Oui. Il y a ceux qui ont peur des camions. C'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus maniable. Certes. Après, la bonne vitesse, c'est aussi maniable qu'une voiture. Hein. Oui. Oui, à 30 km/h. Je vais vous laisser, j'ai une petite faim. Oui, pas de soucis. Bon, vous souhaitant, messieurs... une bonne fin d'après-midi et puis de même hein. Yes, et puis bon merci. Courage pour le travail de la série. Eh ben merci bon. Bien c'est gentil, bon après-midi également. Bon après-midi, au revoir messieurs les agents, bonne journée. Merci. Allez, moi je vais refaire un tour. Ouais, impossible. Okay. Merci pour tout ce que vous faites pour les nouveaux, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Non, moi c'est Romain. Romain? Ouais. Romain ou Roman? Romain. Romain, ok. T'es non, arrivé non, quand? Moi ça fait un moment que je suis sur l'île déjà. Et tu t'es pas dit, t'avais pas envie de changer un petit peu de métier, quitter la Syrie pour... Alors, je viens de quitter ailleurs, le vignoble, c'est pas pour aller ailleurs tout de suite, s'il vous plaît. Ah d'accord. Ouais, non. Pourquoi le vignoble ça se passait pas bien? Quand vous faites rétrograder deux fois à cause de la même personne, vous dites stop et vous partez précipitamment. Dans la théorie, le futur patron. Ok, je savais même pas que ça allait changer de patron. Si. Actuellement, c'est Monsieur de la Vega et dans la théorie, dans les semaines à venir, ce serait Monsieur Tostica qui reprendrait le vignoble. D'accord. Et Tostica, du coup, c'est pas un mec. Bah, c'est pas forcément que c'est pas un mec cool, mais si vous êtes dans le viseur, bon bah. Il va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, dirons-nous. Ouais, en restant poli. Le truc, ouais. Parce que de ouais, là, faire de faux propos, soi-disant, je l'aurais menacé de mort et je lui aurais dit comme quoi je l'enterrais dans le désert. Je suis désolé, mais ça passe ça pas. Ça ressemble pas ouais. Trop. Ouais. Non.
bon. Ouais, étrange, ouais. Moi, j'ai un collègue qui s'était fait virer aussi du vignoble. Mais ah bon, je sais pas exactement pour quelle raison, faudrait que j'en quitte là-dessus. Qui ça? Peut-être que je l'ai connu. Merde, c'est pas Rory ou un truc comme ça, je me souviens plus. Ah, ça me dit rien du tout. Ça fait déjà quelques semaines ou mois, donc peut-être ça date un peu. Mais Rory, non, ça me dit rien. Parce que j'y étais de mi-septembre jusqu'à la semaine dernière. Mais non, ce nom-là me dit rien. Il faudrait que je retrouve le prénom, c'est pas Rory, c'est peut-être pour ça. Anaé, elle bosse toujours au vignoble? Non, elle est partie, elle est au... Mince, chez Rogers. Dernière nouvelle, elle était chez Rogers. Ouais. Ok. Ouais. Bonjour. Et hey yo. Et c'est fait. Vous amenez de la nourriture? C'est nous. Si vous voulez, il y en a dans la voiture là-bas, vous servez, n'hésitez pas. Ok, ah bah, merci beaucoup. Alors. C'est dans le coffre directement, n'hésitez pas. Parfait, bah, je devais aller au Black Hat, donc c'est... merci beaucoup. Oula, il y a des problèmes. Ok, super. Non, Anaé, ça fait licencier parce que bah, elle faisait pas ses quotas. Bon, elle avait du mal à faire ses ouais. quotas et son ratio. Donc un avertissement et puis licencié la semaine d'après. Ouais. Après, ouais. Quand c'est que tu fais pas ton travail, enfin, je veux dire, dans ton cas, tu vois, c'était différent. C'est un mec qui t'a dans le viseur. Ça veut pas dire que tu fais mal ton travail. Ouais, mais ils sont bah, voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a un qui a voulu lui sortir un camion en même temps qu'il y en a un qui le rangeait, à mon avis. C'est normal que je suis arrivé hier et j'en ai déjà marre des jungles. Ouais, ouais presque. Quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coups. Ouais. Alors, et attention, dans les civils, que... vous allez voir, des fois, il y en a, ils conduisent vraiment n'importe comment. Ah, attention, je sors le camion. Oh, ça, c'est quand tu travailles. Si. Ah oui. Oui, il est derrière. Vas-y, douce, mag. Décalons-nous. Je me mets à couvert. J'ai peur, je veux pas mourir. Pas maintenant, je suis trop jeune. Comment ça, t'es trop jeune pour mourir? Mais surtout que vous venez d'arriver, donc c'est ah oui, dommage quoi. Je débarque à peine de Seattle. Ouais. Et c'est une belle vue de Seattle. Bah c'est sympathique, j'y suis pas resté longtemps, à vrai dire. Enfin, j'y suis resté longtemps sans y rester longtemps. Ah d'accord. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais à France. Ok. Je suis ma mère est américaine. C'est pour ça le petit accent un petit peu que j'entends. Voilà, j'ai du sud de la France. Ah, je connais un petit peu la France, moi. Je vais du sud-sud, juste à côté de l'Espagne. Et j'ai vécu 6 ans, moi, à côté de Paris, moi. Ah ouais, c'était... Vous connaissez Perpignan? Non. Tout au sud. Encore d'accord. Plus au sud de Montpellier. C'est à côté de l'Espagne, à côté de la mer Méditerranée. Et je suis de là-bas. D'accord. Ah, et c'est après, coup, joli, ouais. Ah oui, il y a la mer, il y a la montagne. C'est magnifique. Il y a le soleil. Ah mais il y a tout, en fait, là-bas. Ah ouais, parce que moi, tout. À côté de Paris, c'était pas terrible au niveau soleil. Ah, c'est moche. C'est moche. Genre Los Santos, c'est quand même vachement plus ensoleillé. Ah mais c'est plus ensoleillé et c'est pareil, il y a la mer, enfin l'océan, il y a la montagne, il y a le soleil, c'est sympa. Et du coup, de temps en temps, il y a la neige. À 18 ans, je suis parti aux Amériques avec ma mère qui est originaire de là-bas. Et quand j'y vais à TN, j'ai eu un accident de voiture et j'ai fait 6 ans de coma. 6 ans? Ah ouais. Putain. Et j'étais un soir avec des potes, j'avais pas bu, j'ai pris la voiture et avec Bourri, nous a rentré dedans. 6 ans de coma, 2 ans de rééducation. Pas des séquelles? Non, on rappelle une histoire. Ça. 2 ans de rééducation, ça remet bien. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était long. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai fini ma rééducation et je suis venu ici. Bah, c'était peut-être long, mais bon, maintenant vous êtes sur vos jambes en pleine santé. Ah oui, ça c'est principal, sûr. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Vous mieux perdre 2 ans de vie plutôt que de perdre la vie directement, quoi. Ouais, ça c'est sûr. C'est je suis totalement d'accord. Bah c'est une bonne nouvelle, ravi en tout cas que vous soyez un nouvel habitant de cette belle île. Ah oui, mais je me présente, du coup, moi je m'appelle Esteban Rodriguez. Esteban Rodriguez, ah oui, ça fait très espagnol. Ah bah, j'ai des origines, mon père était catalan, donc catalan c'est une région espagnole.
D'accord, ouais, je connais pas ce pays. L'Espagne, c'est un Europe. Il a pris le même nom que... Ah non, c'est pas un pays, c'est une région. Comme un département. Que nickel. Et du coup, je suis juste à côté. Et là, il fut à une époque où le département français où j'habitais, ça appartenait à, c'est à 500 ans même au royaume de Catalogne. Même histoire. Avec le royaume de Catalogne soit pris englobé par l'Espagne. Mais du coup, vous avez plus de 500 ans ? C'est bizarre. Mais non, non, mais la langue elle est restée, les origines aussi. Pardon. J'ai 29 ans moi. Ah d'accord. Bientôt 30. Si ça se trouve, j'ai déjà une connerie. Ah bah allez-y. On est bien après, je pense. Ah bah non, mais moi je pensais, tu me voyais. Moi j'ai vu un film l'autre jour. Ouais. C'était un mec qui se réveillait dans une navette spatiale. Et en fait, il était cryogénisé. Et en fait, il réveillait une meuf. Et du coup, ils vivaient toute leur vie dans le vaisseau spatial pendant que tout le monde était endormi, tu vois. Et moi, je me suis dit, ça se trouve, t'as été cryogénisé d'il y a 500 ans, et en fait, tu t'es réveillé, et ton coma, en fait... Quand même pas, si je parlerais pas comme ça, hein. Je parlerais pas aussi bien... Et il y a 500 ans, il y avait pas cette technologie-là. Ah, c'est sûr, là, je serais perdu, je serais même pas qu'au duo, quoi. Et ouais. Et c'est là que, ma réflexion elle s'arrêtait, justement, je cherchais pour comment ils auraient fait. Et après, on dit qu'il n'y avait pas cette technologie-là il y a 500 ans, mais qui sait réellement? Ouais. Et je veux dire, sais pas, hein. Quand t'as le petit Jésus, il a fait des miracles, ou Moïse qui a su parler la terre en deux, il l'a fait alors que c'était il y a vachement longtemps. Allez, voilà. C'est pas la terre qui l'a séparé en deux, c'est la mer. Ouais. Ah oui, bah, Moïse qui a séparé la mer en deux pour théorie, faire passer je sais plus quoi. Mais bon, ça j'y crois pas. Hein. Je sais pas. C'est un peu dur d'y croire. En plus, il a séparé une mer rouge. Une mer rouge ? Ouais. C'était du sang ? Je sais pas. Peut-être du colorant. Hein. Peut-être le sang de ses ennemis. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. En tout cas, je trouve que au niveau de on parle vite sans réfléchir à dire des conneries, on se ressemble. On me l'a souvent dit. Ah bon ? Oui, on m'a souvent dit, Esteban, tu parles trop vite, réfléchis, tourne 7 fois ta langue avant de parler, parce que tu dis des conneries, tu parles trop vite, tu réfléchis pas, et après tu te dis, ah merde, c'était peut-être un peu con ce que j'ai dit. Parce que vous dites qu'on se ressemble, mais moi je trouve que, enfin, on n'a pas du tout la même coupe de cheveux, cheveux rouges. Voilà, ça c'est exactement le genre de conneries que je peux dire. on peut bien rigoler ensemble. C'est possible, ouais. Ah putain, je pense qu'on énerverait vite les gens. Vous voulez pas faire un one man show tous les deux? Oh putain! Et bah pourquoi? Ah oh bah je sais pas! Je sais pas, j'ai jamais pensé. Vous avez pensé quoi faire un one man show? Bah du coup on serait deux. Un two man show. Oh putain, là c'est quoi? Je peux prendre votre numéro? Mais surtout qu'il est bon chanteur aussi. Il est beau chanteur, hein. J'ai pas entendu 74? 74, ouais. 22. 22, ok. Et je vais Calono. Et Jim. Jim, très bien, super. Putain, il faut qu'on fasse à One Man Show. Par contre, pas avec les blagues que tu m'as fait à la vente cet après-midi. Ouais, non. Je connais pas des masses de blagues, moi, c'est le truc. Eh ben, on va y travailler. Moi, je prends une place directe. Hein. J'ai envoyé un message avec Mono. Ça marche. Pour enregistrer, c'est plus facile. On va faire un Two Man Show, ça va être incroyable. Putain, bientôt à l'Amazement Carena. En fait, j'aurais peut-être dû me taire. Ouais, je confirme. Toi aussi, il faut tourner ta langue cette fois avant de parler. Alors, tu m'expliques comment tu tournes cette fois dans ta... Bah, tu vois, quand tu ouvres dans ta bouche, tu ouvres pas la bouche du coup. Et bah, ta langue, tu fais ça autour de ta bouche avec. Et après, tu dis ta connerie. Enfin, tu réfléchis en même temps s'il faut dire ou pas la connerie. J'ai jamais compris ce concept. Alors réfléchir, je vois pas ce que c'est, je connais pas. Ah ouais d'accord. Ouais, ouais. C'est compliqué. Ah bah oui. C'est quand tu te concentres vachement longtemps. Ah non, faut pas que je me concentre de trop. Salut. Bonsoir. Oui, salut. Là, tranquille. Yes, nickel. On fait aller. Ça vient bosser ou ça vient chill?
Après deux tournées, là, ça va chiller un peu. Ouais, un petit peu. Hein. Ça paye combien une bonne tournée? C'est 1200, je crois. Ouais. Et, faut, par contre, entre 1200 et 1300 en fonction de ce que t'as en tête. Et 1200, et vous faites ça à peu près en combien de temps? En une heure? Une heure et demie. Une heure vingt. 1h20? Ok. Ouais, à peu près une heure, ouais. 1h20 si tout se passe bien, sinon ouais, 1h30. Ouais, si vous tapez pas de radar aussi. Des radars ou enfin, ça? J'imagine qu'avec les camions, c'est quand même assez chou quand même de se taper des radars. Il y en a, mais... y en a un à 90 quand même, casse-couille, mais sinon... Ouais, celui à sortie de l'autoroute. Et sinon, on s'en est tranquille. Ouais, c'est celui qui est à côté de la... pas de la mine, mais de là où vous récupérez... Ouais, vraiment juste... La première, non? C'est ouais, sûr, juste après l'échangeur. Ouais. Je me le mange tout le temps. Et ils se mettent bien le gouvernement avec les prunes, hein. Des radars. Hein. J'imagine. Ah, oh. Rien qu'hier, je leur ai donné 1000 balles. J'ai réussi à prendre 750 d'amende avec la Punto. Ça fait plaisir hein, quand on t'a bossé pendant une heure et demie pour taper un radar à 1000 balles. Hein. C'est ça. Une fois 750 et après avec le camion 250. Et ça, vous voyez, ça, c'est des choses que vous pourriez négocier. Un petit peu, mais peut-être que vos véhicules soient des véhicules autorisés ou je sais pas moi. Donc les radars ils coûtent trop cher ou. Il faudra ouais, déjà qu'ils augmentent notre salaire, ce sera déjà bien. Le truc c'est qu'après tous les entreprises se mettraient derrière en disant ouais moi mon véhicule. C'est pas faux, mais après vous pouvez vous plaindre du fait que les radars sont trop chers. C'est vrai que c'est cher parce que moi je suis arrivé hier. Par rapport au coût de la vie, je veux dire le radar. Ah oui. Pour une paye quoi. Ouais, c'est nous on travaille à la cire, on gagne pas d'argent quoi, c'est compliqué. Hein. Mais surtout que vous faites un travail qui est vachement dur et respectable. Bah oui. Alors qu'il y en a qui en branlent pas une et qui sont. Salut, je sais pas pourquoi on va dire. Ça tue la santé. C'est vrai que respirer, il faut protester, protéger vos droits. En plus, tout à l'heure, il était face à une épidémie de rougeur, Carivag. Ouais. C'est compliqué. Ouais, les situations sanitaires est pas au top en plus donc. Ah ça c'est sûr. Il faut que ah comment il s'appelle le Sanfeuille c'est Loris. Loris il faut qu'il réussisse son putain de diplôme d'avocat. Putain, oui. La troisième c'est la bonne. J'ai pris, il faut qu'il arrive à avoir son diplôme d'avocat, il pourrait nous aider. Parce que bon, deux fois qu'il le rate le coup. Bon il y a Alice. Hein. Surtout que ça commence à lui coûter cher. Hein. Ça coûte combien de... C'est que 1000. C'est 5000 qui nous disait, c'est 5000 le diplôme plus 5000 la licence gouvernementale pour être accrédité au barreau. Et donc, du coup, il a déjà 10 000 dans le cul. Bah, ça va. Mais il y a Elise hein, qui est accrédité au barreau, hein, si jamais. Ça va lui retomber à 20 000 balles. Ouais, parce que là, il commençait à chercher à gratter des réponses ou du moins à poser des questions au LSAS ou autre. Et... Alors qu'il pourrait l'aiguiller, parce qu'à savoir si avec tous les changements de texte de loi qu'il y a eu là dernièrement, si le diplôme, si au moins l'examen est encore viable ou pas. Enfin, qu'il y ait des questions qui ne soient pas obsolètes. Il a bien raison de chercher, de toute façon. Oui. Mais j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui font un travail en journée comme ça aussi dur que la Syrie et qui en plus étudient le soir pour essayer de passer leur diplôme. C'est vrai qu'il ouais, force ouais. Le respect, j'ai fait. Oui. J'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Bon, en tout cas, n'hésitez pas hein, si vous avez un peu besoin d'aide ou de soutien. Ça marche. On est là avec mes collègues et puis bah, pareil pour la bouffe. Ça, nous, c'est un petit supplément. On essaie d'aider comme on peut, quoi. Après. Forcément simple de pouvoir vous aider sur tout, mais on fait le maximum. Et si vous avez besoin d'avoir des numéros, des contacts, si on peut vous aider, on le fera. C'est très gentil. J'ai pas l'impression. On m'a toujours dit vous êtes dangereux depuis que je suis arrivé hier. Et ben putain, je crois personne, je les crois pas. Ceux qui m'ont dit ça, vous êtes des gens bien, j'ai l'impression. C'est quoi votre numéro? 7422 et Jim. 74-22. Vous savez, de la mano, on a été assez rapidement jugé.
sur des choses, et il y a une tendance dans cette ville, c'est que dès qu'un truc ne va pas, on a tendance à nous le mettre sur le dos. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais vous savez, avec la mano, à partir du moment où il y a du respect qui est mutuel, et que les gens agissent correctement, il n'y a aucun problème à avoir avec nous. Ce qu'on demande simplement, c'est un respect qui soit mutuel. Ça, c'est normal. Et nous, oui. Ça ne l'est pas pour certaines personnes, je peux vous assurer. C'est la base d'une relation saine, quoi. Moi, je vous avais déjà rencontré une fois, c'était... Bah, je crois que c'était avec quelqu'un de votre groupe, ouais, que j'ai vendu une voiture. Ça s'est très bien passé. Comment ça bah, bien sûr. Et surtout au niveau des voitures, bah, y avait mon collègue ici, le blond là, c'est Nibal. Je sais pas. On essaie toujours d'être très carré dès qu'on vend une voiture. Ah oui. Peu importe à qui, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura jamais d'entourloupe et... Voilà. Bah, d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est à cette dame-là que j'avais vendu la Tampa. Oui, c'est fortement possible. Ouais. Et j'imagine aucun problème. Oh non, il n'y a eu aucun souci. Mais non, le marché des voitures, on essaie justement de se renseigner. Si vous avez besoin d'aide au niveau on des voitures, je suis un peu un spécialiste au niveau des voitures. Ah oui. Pour ça. Ouais. Spécialiste en blague et en voiture. Oh là là. On va s'amuser. Ouais, blague pas particulièrement, mais en voiture et en conduite. En conduite sportive. Est-ce qu'on peut avoir des attributs de blague? On va juger. Je connais pas spécialement des blagues, je sais pas, ça sort tout seul, vous savez. Et c'est ça qui est beau. Putain. Il faut qu'on fasse un truc. Hein. Faut qu'on fasse un Two Man Show. Hein. Ça, vous montez un théâtre d'impro. Oh putain. Après, je connais des endroits assez sympas, justement, pour ça. Ah ouais? Ouais. Alors, soit on peut faire des trucs un petit peu en petit comité. Ouais. Potentiellement, il y a un bar qui s'appelle le Tequila. Alors attendez, laissez-moi vous dire à peu près où il est. Le Tequila, mais c'est pas une boisson alcoolisée, ça, normalement? C'est le Tequila là, il s'appelle en fait le, ah, okay. Le bar. Il est, il est sur Eclipse Boulevard de mémoire. J'essaie de me souvenir où est-ce qu'il est exactement. Je crois qu'il est en 61-85. Ok. Et en 61-85, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et il est accessible. Ouais, il est accessible. Ah ouais. Et vous pouvez rentrer à l'intérieur, il y a une petite scène de spectacle en fait. Même avec des instruments pour les gens qui veulent faire des buffs. Oh, c'est cool ça. Et c'est cool. Bon, en général, il vaut mieux ramener ses propres boissons. Mm-hmm. Mais sinon, c'est un endroit qui est assez cool. Ah, il n'y a pas d'employés dedans, c'est abandonné ? Ouais, il y a très rarement des employés, ouais. D'accord, ok. Mais c'est laissé à la disposition de chacun si vous voulez un petit peu profiter de l'endroit. Ok, d'accord. Ok, super. Et après, si vous voulez faire un show de grande ampleur, vous avez... le Vinewood Bowl, qui est en 60-77. Si jamais vous cherchez l'endroit, C'est grave. Sur votre téléphone, grand, vous avez sur la touche de votre téléphone, c'est la touche F10 qui permet d'insérer directement des zip codes pour avoir le lieu direct. Il y a pas aussi ça. Ah bah oui, c'est l'amphithéâtre, le Vinewood Bowl. Et donc ouais, c'est l'amphithéâtre en fait de la ville. Alors là, il y a des centaines de places assises. Et il y a une super grande scène, quoi. C'est pour gros spectacles. C'est pour le Two Man Show. Le Two Man Show, à mon avis, il vaudrait mieux faire ça sur des... Peut-être sur un petit théâtre d'impro type le Tequila, là, à mon avis, c'est mieux. Oups. On va faire des grosses choses. Ça va être bien. Ça va être très bien, même. Donc voilà. Je connais bien la ville, moi, je suis né ici. Donc si vous avez des questions, etc., ou sur des endroits... votre homme et sur tout ce qui est conduite et voiture aussi. Ah bah après ça j'ai la Punto. Ouais. Et ça passe partout mais après avec la surprise du Beniz malheureusement. Ah la petite spéciale. Ah la fameuse spéciale Beniz. Magnifique. Pas prévu que c'était aussi dangereux que ça. Ils t'ont mis les bagages sur le toit ou autre chose? Non j'ai rien sur le toit, j'ai juste un gros aileron. La voiture est rose fluo avec des stickers de kawaii, des néons roses.
Ils ont quand même mis les stickers. Il avait fait rose et noir avec le pot d'échappement en V. Ah putain, c'est compliqué. Je me sens con. Je me balade avec ça. Bon, on s'y fait à force. Mais j'ai quand même promis au mec du bénis que j'allais la garder toute ma vie. Ouais, faut pas faire ce genre de promesse. Oui. j'ai appris ça après quand m'a dit le prix des cartes grises. Voilà, voilà. C'est surtout à cause de ça. Mais bon. Je t'avouerais que moi, tu vois, je suis né ici, mais je suis parti pendant 6 ans de la ville. Et quand je suis revenu, justement, bah, j'avais cette poto. Et elle a fait une journée. Ouais, quand même. Ah oui. Ouais. Ah ouais, j'ai pris un coup de roquette dans le cul. Ah oui, quand même. Ah, quoi. Ah ouais, juste ça. Oh, la pauvre voiture. Ah oui, t'es c'est violent. Hein. Ah ouais, bah, c'était pas moi. Ah. Heureusement qu'il y a des assurances. Hein. Ouais, mais je crois que j'avais pas fait marcher la demande d'assurance. Je crois qu'elle était vraiment trop détruite. Ah putain. Ah, du coup, j'ai dû investir assez rapidement dans un véhicule pour me déplacer, quoi. Bah, moi, du coup, je préfère la garder le plus longtemps possible. Je préfère acheter un appartement que d'une voiture, quand même. Plus utile. Ouais, l'appartement est. En fait, le mieux pour les appartements, c'est de. L'acheter en groupe. Ouais. Vous pouvez être 3 par appartement. Ouais. C'est bien d'essayer de se cotiser ensemble, réunir une petite somme et justement se mettre ensemble en coloc avec des gens avec qui vous connaissez déjà un peu et de partager. Alors il n'y a, bah, pas un grand coffre de stockage, hein, c'est que 50 kilos. Ouais, les chambres de motel, ouais, non. Voilà, c'est les chambres de motel, ce genre de choses. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, moi j'ai une place justement en chambre de motel juste à côté du zombie car. Bah, c'est loin ça. Ah oui, moi j'en ai. J'ai la place pour un coloc. Ah, mais ça fait loin quand même. Ouais, mais ça permet de pas payer aussi. Ou après, vous arrangez en sortant. T'es quand même au milieu de l'île quoi, tu dois aller au nord. Ouais, aussi, tu vois. 3-4 bornes là. Ouais, c'est pas loin en final. En plus, pas loin de la freeway, c'est direct. Du coup, attends, j'ai une question. Parce que j'ai pas compris. Ils servent à quoi les park rangers? À que dalle. J'ai pas compris du tout. C'est dur. C'est des gardiens de marmottes. C'est la voilà, c'est la marée chaussée, on est d'accord. Ouais, mais c'est des gardiens. En fait, ils sont là pour protéger la faune et la flore. Ouais, donc ils servent à rien. Ouais. Ah, si, ils s'assurent que les plantes poussent bien. Et que les lapins mangent bien les plantes. Voilà. Je crois qu'ils déterminent aussi les accès aux zones de pêche. Dire quand c'est ouvert et quand c'est fermé. À part ça, ouais. Après, ils utilisent pas mal l'argent du contrat de bois pour acheter des hélicoptères qui servent à rien. Oui, c'est vrai qu'ils sont fait installer un héliport. Oui. Eh, c'est les seules fois ils peuvent s'envoyer en l'air, laissez-les profiter quand même. Oh non, c'est dur. C'est pas faux. Oh, je suis désolé, c'était trop facile. De quoi? Un Triman de Chou, allez, c'est parti. Triman Chou, là. Oh parti. Non. Et moi, c'est encore mieux. À la place du Triman, on va dire Truman, tu vois. Ah ouais, je pense que c'est la même chose. Ah, c'est une bonne idée. Ah, j'adore. On va faire imagine le Santos, c'est comme dans ce film-là. Oh putain. T'as déjà essayé de pousser un petit peu les portes du. Mais dans la mer. De faire au moins 2 km en direction de la mer? Ah non. Je te les conseille. Et si c'est passé quoi? Bah. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Ah d'accord. Mais je sens que ça se passera pas bien. En fait, j'ai peur de découvrir que, tu vois, il y a des gens qui nous regardent derrière et qu'on est observé depuis tout là-haut. Oh putain. Oh putain, j'adore. Ça c'est bien pour le tout bel show. Ouais. Ça ressortir. Il faut faire des trucs sur l'actualité. Mais je suis pas trop calé sur l'actualité vu que j'ai d'arrivée. Il faut demander aux Wisdom News, hein. C'est eux qui sont les premiers sur l'info. Enfin, ça dépend. Quand ils sont ouverts, parce que là, c'est un peu vide aujourd'hui niveau news. Ah bah, il y a eu la pub des taxis. Là, c'est l'actuel. En fait. Ah, info. Là, aujourd'hui à 15h46, reprise de passage de permis de chasse et pêche. Oh, ça me bat les couilles. C'est dommage, pendant un moment, il y avait beaucoup plus d'articles. Et là, ça y est, c'est reparti en mode. En mode le bon coin. Ouais, ça dépend de la compétence des journalistes.
Hier, il y a eu un truc, ils ont parlé de Form Drive, hein. C'est tout. Et ils ont dit le braconnage, c'est mal. Hein. Putain. Bah, bien sûr que c'est mal le braconnage. Bah, oui, mais bon, on le sait, il n'y a pas besoin de le dire. Ah, bah, on sait jamais, hein, qu'il y ait des débiles dans la ville, hein, tu sais. Le cancer des enfants, fait à savoir. Oui, d'abord, faut faire de blagues sur ça quand même. Ah, ouais, il y a un truc qui m'a un peu choqué. Je sais pas si vous l'avez vu hier. Sur les infos with the news, ça y est peut-être encore, c'était une pub, il y avait marqué et c'était sur le cancer des enfants. Ouais bah il y a encore un, hein. Ah, 4 février. Ils l'ont enlevé, mais au début il y avait marqué pub, le cancer des enfants. Oui. Et genre moi je sais pas pour vous, non, mais je considère ça plus comme une nouvelle que plutôt comme une pub quoi. Ah oui quand même. Ouais, ils sont pas très compétents. Hein. Plus une information, ouais, c'est clair. C'est ouais, c'est compliqué. Hein. Ils ont bien merdé sur ce coup-là, quand même. Oui. Bon, donc si je résume, les Vessel News, ils sont compétents. Non, pas forcément. En vrai, je connais leur la présidente des Vessel News. Oui. Directrice générale de CEO plus. C'est une bonne journaliste qui fait bien son travail. C'est Eliana. Ouais. J'avais déjà croisé quand j'étais au taxi. Oh, c'est vrai qu'elle est sympa. Ouais, elle est talentueuse. Elle est plutôt gentille. Ok. Et Divo et Speedy et BCSO, c'est compétent ça? Ou c'est l'écho? Bon, les Speedy en ce moment ça va. Vous savez, ça dépend sur les des agences sur lesquelles vous tombez aussi. Hein. Mais oui, je crois que le chef de les Speedy, je crois que c'est un mec qui est carré. J'ai pas encore rencontré. Donc s'il y a des mecs qui font du zèle, vous pouvez très bien demander à parler à des autres. De quoi? Mais moi j'ai jamais eu de problème en les mettant là. Je t'avouerai que bon. Ouais. BCSO c'est un peu des cow-boys donc méfiez-vous. Allez, papi, quoi. Vas-y, on est tous avec toi. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Salut. 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 Donc voilà, moi, c'est mon expérience personnelle, hein. Chaque expérience est différente. Hein. Ça se trouve, vous allez tomber sur un flic sympa. Et... Oh, puis là, BCSO, ça va peut-être mieux se passer avec le nouveau shérif. Ouais, ça a changé, ouais. C'était surtout avec l'ancien shérif. Après, je sais pas ce que ça donne. Bon, on en croise de temps en temps à la mine des agents du BCSO. Ouais. Ah, tout à l'heure, on a eu le Park Ranger avec. Je... Ah, punaise. Ouais. Ils viennent à la mine parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui viennent un peu moins bien intentionnés. Oui, ça se passe bien, ouais. Avec en novembre, BCSO, enfin, quand j'étais arrivé en novembre, il y en a qui parlaient de Pôle emploi bis. Tiens, d'ailleurs, vous avez pas eu de problème avec des gongs locaux récemment à nouveau ou pas? Non, j'ai entendu parler qu'il y avait des mecs cagoulés qui étaient venus choper vos goûters un petit peu, bouffe et boisson. Ah ouais, quand même. Il y a pas si longtemps. Ah oui, putain. Pas depuis que je suis là en tout cas, pas depuis hier. Personnellement, okay. Non. Ah, moi je suis. Enfin, c'est rare je reviens à la Syrie depuis aujourd'hui. Donc non, j'ai. Enfin, du moins aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé. Ok, bah n'hésitez pas à nous prévenir si jamais vous avez des problèmes avec. Avec des gangs qui vous foutent la pression ou des... Bah non, c'est juste qu'ils manquent de tact quand même. Yep. Ils sont un peu cons. Ouais, bah il y avait un... Si, on avait quoi, c'était un balas qui était venu cet après-midi, mais qui était juste venu chill et taper à discute. Lui ça allait. Il avait du tact. Ouais. Il était un peu con par contre, il comprenait rien. Un peu. Mais hier j'en ai eu un des waves. Oh putain, mais... Le mec, il me dit qui il est, il me donne son numéro, il me dit où ils habitent. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il faut? Et il me dit, ouais, si tu veux, tu vas me pour moi. Non, mais il est con. Et on a croisé le BCSO 2 minutes après. Ouais. C'était marrant. J'aurais rigolé s'il était venu 2 minutes avant. Et il a dit qu'il faisait quoi comme activité, lui? Alors, il m'a dit, on habite à la plage. Je m'appelle Intel. Ça, c'est mon numéro. Si tu veux vendre de la weed, c'est tu. Il m'appelle. D'accord. C'est pas mal, ça. Au moins, c'est direct, hein. Bah, j'imagine qu'il a dû acheter un gros stock et qu'il doit être en besoin de vendre. Ouais, mais quand même, il y a pas de tact quoi. Il me connaît pas, il me connaît à peine, il me dit tout ça. Il y a un petit Y a des mecs qui sont directs hein, de toute manière. Ah, oui, mais c'est con quand même, il va suffire par se faire tomber dessus.
Bah ça c'est possible. Bah s'il tombe sur un bavard, oui, ça oui. Ou sur un flic en civil directement. Aussi. Oui, c'est fortement possible que les flics mettent des dégâts à eux, justement. On peut pas leur en vouloir vu ce qui s'est passé récemment, hein, mais. Mais j'ai entendu cette histoire-là, comme quoi des mecs en noir masqués avaient été venus taper de la bouffe et des boissons à des travailleurs de la Syrie. Parmi des personnes en noir et blanc qui viennent nous apporter la nourriture, pas eu de mecs cagoulés qui viennent taxer le goûter. Ok. Mais c'est bien de le savoir en tout cas. Au moins ça nous. Non, si jamais ça arrive, n'hésitez pas à nous prévenir. C'est vraiment triste d'en arriver là, quoi, putain. On a pas mal de contacts en ville, on peut peut-être agir pour essayer de protéger la zone, quoi. Bonsoir. Ça va? Ouais, tranquille, et toi? Tranquille. Attends, merde, bah on est en train de discuter. Et c'est vrai que je vous empêche de bosser là, un petit peu. Ouais, c'est l'heure de la pause, là. Faut savoir prendre du temps aussi. Bénisse pour récupérer mon camion, donc bon, un quart d'heure de plus, un quart d'heure de moins. Ah oui, c'est ton camion qui était retourné? Ouais, non, mais il était retourné à la mine. Ah oui. C'est un peu plus embêtant ça. Bah, j'ai un peu raté le virage de la descente. J'ai pas compris, les roues sont bloquées, je suis allé tout droit. Ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, du coup, pour vous contacter, il y a un numéro particulier. Ouais, prenez pas un numéro particulier. Vous demandez si vous avez un numéro de membre de la Numano, vous pouvez nous en informer. Il n'y a pas de souci, on peut venir et aider si besoin. Je sais que Nico, il m'avait donné le numéro de Mike, je crois. Ouais. Moi, j'ai que Jib, du coup, un numéro, mais ça suffit. Ouais, pas de souci. Bah, tu peux me contacter, hein. T'inquiète. On prépare un autre show. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu lui as proposé encore, Jim? C'est pas moi, c'est lui qui a proposé. Il va faire un tout même show. C'est quelqu'un qui a proposé l'idée quand on a commencé à se jeter des. C'est moi qui ai proposé ça. Voilà. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule sans ce coup-là, en fait. Oh putain. Ah bah, ça peut être sympa. Hein, mais ça va être génial. Sous nos tequila là. Ouais, je leur ai parlé du thé qu'il est là, c'est un petit bar tranquille. Avec la petite scène en plus, tu peux être à l'étage en mode VIP, ouais c'est cool. J'essaie de leur donner un petit peu les adresses un peu cool. Pardon, excusez-moi. À avoir sur l'île. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Après, il y a des endroits que vous cherchez, vous connaissez pas. Alors c'est dur de vous donner des endroits que vous connaissez pas. Enfin, vous allez pas me les dire, techniquement, mais je cherche des endroits un peu sympas à vous faire découvrir sans ville. Je réfléchis. Un endroit avec des bonnes lumières pour faire des photos de voitures, peut-être. C'est un peu partout en ville, mais je te conseillerais la zone de Vinewood, les quartiers riches, etc. Là, t'as des. Ouais, les quartiers t'as des riches. Belles baraques, ouais. Ou la jetée du Black Cat, hein, juste avant la nuit. Ouais, potentiellement, c'est une bonne idée aussi, ça. Ok. Ouais, les villages, je connais un peu, surtout pour les virages. C'est plutôt sympa pour tester les voitures. Hein. Pour avoir la maniabilité. Vous avez de la bouffe dans la voiture noire, c'est pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez. Vu que nous, on va pas tarder à partir, je pense. Donc n'hésitez pas à en prendre, il y a probablement des restes. Plutôt que d'aller au Black Cat, puis là c'est de la bouffe gratuite, profitez-en. C'est gentil, merci. Ouais, merci. Et dans les endroits un peu sympas, mais un petit peu abandonnés, vous avez le Unicorn, c'était l'ancien bar à striptease, que vous pouvez encore visiter encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand monde, quoi. Ah putain, il faudrait que quelqu'un le réouvre, ce truc. Ce serait cool, ça ferait de l'activité. Ouais.
Vous avez devant vous l'ancien, un des anciens propriétaires du Unicorn. Ah ouais. Ah putain. Et ouais. Ah la classe. Ah ouais, et puis ça tournait bien. Je peux te dire que à l'époque. Qu'est-ce qui tournait bien d'ailleurs, la boîte ou. Ah ouais, l'entreprise. Bah après, les films sur les pole dance, ça dansait bien aussi. Donc. Punaise. J'avais mon oncle qui leur montrait les chorégraphies de danse de pole dance. Quoi? J'ai bien entendu. Bien sûr. Mais écoutez, pour montrer l'exemple, il faut justement travailler soi-même. C'est le principe. D'accord. Et vous pouvez y aller, c'est encore sympa. Il y a encore des petits canapés assez confortables. Mais malheureusement, il n'y a plus de danseuse. Donc le Unicorn, si vous voulez savoir. Alors c'est... En 90-48. 90-47 exactement. C'est le bâtiment 90-47. Ok, super. Ok. Bon, on ira faire un tour. Ça pourrait être toujours sympa. Hein. Ah, faut le réaffecter ce truc. Mais nous, on a fait un enterrement de vie de garçon il y a quelques mois là-bas. C'était sympa.